Good morning, Aleiden. Tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram Yona Ben Chana, Shalom Ben Chbiba, Amram Armand Ben Sulika, Peggy Batester, Zabat Mazal Tov, Shishportish, Michel Novik, Obser, Fouad Rout, Bat Kloudin Train, Simcha Bat Mazal Tibetor, Chapol Israël. Si vous souhaitez aussi l'aider, une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Douyot, Perigalef, Mishnah Zain. Bet Shamay Omrim Rova Atsamot, Min Ha Atsamim, Ben Mishnaim, Ben Mishlosha. Ou Bet Ilal Omrim Rova Atsamot Mina Gevilla, Merova Binyan, Omerova Minyan. Shamay Omer, Afilo Me'etzem Echad. On va parler dans notre Mishnah de la Toumat Met. Tout le monde sait bien que la plus grave des impuretés, c'est l'impureté du mort. Lorsque l'on entre en contact avec le mort, on devient impur pendant 7 jours. Il fallait se purifier avec les cendres de la vache rousse. Le 3e et 7e jour, asperger, chose qu'on n'a plus à notre époque, donc on ne peut plus se purifier. On est tous considérés comme des Tmei Metim. Il y a même aussi des halachot encore dans notre époque en vigueur très complexe pour les Kohanim. Un Kohen ne peut pas entrer en contact avec un mort. C'est très strict, il y a des halakhot compliqués, même des fois, même pour voler en avion au-dessus d'un cimetière juif. Il y avait des histoires en Israël il y a quelques années, avec, lorsqu'il y avait un match de foot, je ne sais pas où exactement, à Ramat Gan, alors les avions, ils changeaient leur trajectoire, et ils passaient par un autre endroit, où là-bas il y avait un cimetière, et donc du coup, pendant un bout de temps, jusqu'à ce que ça a été résolu, le problème par les rabbanim qui s'occupent de ces problèmes, justement, alors les kohanim, du coup, s'étaient arrêtés de prendre l'avion en Israël, pendant une petite période. Ceci est la raison pour laquelle les Kohanim ne rentrent pas facilement à l'hôpital, parce que malheureusement à l'hôpital, ça arrive qu'il y ait des morts très fréquemment. Et de ce fait, on considère justement, c'est là où je voulais en arriver, c'est la Touma de Ohel, Toumat Ahoel. Le mort, comment le mort rend impur? Deux précisions. D'abord, bien sûr, lorsqu'il y a un mort par terre et que je le touche, je deviens moi-même impur. Mais on n'est pas obligé d'arriver à un mort entier, même s'il y a un membre de mort que je touche, je suis impur. Même s'il y a du sang de mort, je ne connais pas exactement la quantité, ça se trouve dans ma Sechetto Alot. Est-ce qu'il faut un révi'it pour qu'elle a la chôte particulièrement? En tout cas, même du sang de mort, si je le touche, je deviens aussi impur. Ça, mieux que ça, c'est même pas la peine de toucher pour être impur avec le mort. On peut même être impur par ce qu'on appelle la Toumat Ahoel. Adam ki amut ba'ohel, kol asher yavo ba'ohel itma shivat yamim. Lorsqu'il y a un mort dans une pièce, le simple fait d'entrer dans la pièce fait que l'on entre dans la tente. Sous le toit d'un même mort, même si on a même plusieurs kilomètres, même si c'est un hôpital gigantesque, mais que toutes les portes sont ouvertes et que c'est considéré tout ça comme une seule pièce, alors quelqu'un qui va entrer au bout de la pièce, il va être sous le même toit qu'avec le mort, il est venu Be'ohel Lamet, il est devenu Tmemet, il est devenu impurifié par le mort, et donc il devra faire cette purification pendant 7 jours, et le Kohen n'aura pas le droit non plus d'entrer, d'où l'interdit, comme ce que je vous ai dit. Dans les hôpitaux, il y a marqué là-bas « Azara la Kohanim ». Ils préviennent les Kohanim de ne pas entrer dans l'hôpital, parce qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans l'hôpital, mais en général, c'est assez compliqué. Il y a des escaliers spéciaux lorsque leur femme accouche. Je ne suis pas Kohen, donc je ne suis pas rentré dans les détails concrètement comment est-ce qu'on fait, mais en tout cas, sachez que si c'est un Kohen qui va entrer à l'hôpital, il doit se renseigner comment est-ce qu'il fait, poser la question à un rav, voir comment ça se passe. Là n'est pas notre problème, on revient maintenant dans notre sujet. Notre Mishnah, maintenant, va nous parler de la Toumat Ahoel, la quantité requise de mort, la quantité de... combien de... le reste de mort qui va rendre impur Ba'oel. Une chose de sûre, c'est que si un petit doigt, on va prendre un exemple comme ça concret, un petit doigt d'un mort qui est resté ici dans la pièce, Chas v'Shalom, il y a eu un attentat, c'est connu, ça se déchiquette, ça va dans tous les sens, et il y a un bout de doigt qui est arrivé quelque part. Alors, celui qui va toucher ce bout de doigt, il est devenu impur Betumatemet. Mais par contre, si ce bout de doigt est arrivé, pas celui-là, Chas v'Shalom, s'il y a un bout de doigt qui est arrivé dans une pièce, alors là, une chose de sûre, c'est que celui qui va entrer dans la pièce ne va pas devenir Tmemet. Parce qu'il n'y a pas assez de morts. Il faut qu'il y ait une quantité importante de morts pour le rendre impur. Et là, c'est un des sujets de notre question. Il y a des halakhot particulières sur la chair, sur le sang et sur les os. Et notre Mishnah va traiter de la quantité d'os requis qui doit être dans une pièce pour que l'on rende impur. Je vais d'abord présenter à l'oral les trois avis. Et puis après, on le reverra dans les mots, ça ira sûrement beaucoup plus vite, comme ça, Bezrat Hashem. Tout d'abord, il y a une quantité qui s'appelle Rova Akav Shalatsamot. On se rappelle du fameux moyen mnémotechnique qu'on a déjà appris depuis le début de ma douillotte, on l'a déjà utilisé deux fois. Eskalav Gudo, Eifa Sea Kav Log Beitza, Eifa Sea Kav Log Beitza. Donc on a Kav Log Beitza avec les coefficients Gudo, Gimel, Vav, Dalet, Vav. Donc Dalet, Vav, c'est 4 et 6. Dans un cave, il y a 6 fois 4 œufs, beitza. Un cave, ça fait 4 beitza. Un rova à cave,
Donc ça va nous faire maintenant 6 beitzim. D'accord ? Si on va selon les avis, l'avis qu'on tient en général, qui est 57 cm cubes, millimètres cubes plutôt, ouais. Ok, c'est millilitres. Donc, ça va nous faire, vous faites ça fois 8, ça va faire un certain volume, moins d'un litre, ça va nous faire, disons, si c'est 60, alors ça va nous faire 60, si on a dit 8, 6, 6 fois 6, 36, 360, un tiers de litre, plus ou moins un peu plus qu'un tiers de litre, de volume d'os. Ça, c'est la quantité d'os requis pour rendre impur. Sur ça, il va y avoir deux avis qui vont, trois avis en réalité dans notre Mishnah. De quelle manière, de quoi doit être composée cette quantité d'os de 330 millimètres cubes, excusez-moi, de 0,33 mètres cubes, comme ça on en est, d'accord, litres, décimètres cubes, désolé, je m'embrouille un peu, mais c'est pas grave, tout va très bien, on s'est compris, d'accord, on va parler en millilitres, ce sera plus facile pour moi, donc on va faire 330 millilitres d'os, le volume requis pour rendre impur. De quoi doit être composé ces eaux? Il y a trois avis, on va les faire du plus large au plus restreint. Le premier avis va nous dire, même si je prends un bout d'os de plusieurs morts différents, à chacun on va prendre un petit bout d'os, et finalement on les a réunis dans un sachet, et ce sachet-là, maintenant, il y a cette quantité d'os requis. Eh bien, ce sachet, désormais, si ce sachet se trouve, c'est fréquent avec Zaka, qui, après les attentats, il ramasse les petits bouts. Ouais, je ne sais pas si vous connaissez ce Irgun. Zaka, initialement, la vocation de Zaka, de ce Irgun, c'était de partir ramasser, après Chazé Shalom, les attentats, de partir ramasser chaque petit bout de mort pour aller l'enterrer. Parce que c'était Metame Beol, et que chaque petit bout de mort doit arriver à une Gvourat Israël comme il faut, être enterré. Donc maintenant, imaginez maintenant que quelqu'un, il est parti ramasser des petits membres par-ci par-là, un petit peu de sang, un petit peu d'os par-ci par-là, et il a un sachet, puis ce sachet, il l'amène dans une pièce. S'il y a dedans 330 millilitres d'os, ouais, 360 millilitres d'os, alors le premier avis de la Mishnah va nous dire, eh ben, celui qui entre dans la pièce devient tamé. Parce qu'il faut, dès qu'il y a la quantité de rova à cave, 6 beitim, 6 œufs, et eh ben ça y est, on devient tamé. Ça marche. Il va y avoir un deuxième avis qui va dire non, qu'il faut que ce soit, certes, cette quantité d'os, mais que ça provienne d'un seul membre, d'un seul mort, une même personne. Deux morts ne vont pas s'associer pour former un seul, pour être metame baoel. Ce sera metame bemaga. Celui qui va partir le toucher, il va devenir impur, mais il ne sera pas metame baoel. Soit il a récolté. Il a récolté deux os de pieds du tibia de deux morts différents. Donc ensemble, ça fait la quantité requise, certes, mais ces deux os ne vont pas rendre tamé baoel, ils ne vont pas rendre impur celui qui va entrer sous le toit de ces os, parce que ça provient de deux morts. Ça, c'est le deuxième avis. Il y a un troisième avis qui va être retenu justement à la halakha, qui va être encore plus restrictif, et qui va nous dire non, 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 ça ne suffit pas que ça provienne d'un seul mort. Il faut que ça provienne d'un seul mort, mais qu'en plus de ça, qu'il y ait soit Rov Binyan, soit Rov Minyan. Soit que ces deux os, si tu les mettais un après l'autre, ça ferait la majorité de la taille de la personne. Soit, par exemple, je pense que les deux os, si on prend un tibia et on va prendre deux os de la jambe, ça fait la majorité de la taille, à mon avis. Alors là, même si c'est que deux os, si il y a à la fois la quantité de rova à cave, 6 œufs, avec en plus de ça, les deux ensemble, si tu les mets un après l'autre, il s'avère que par là, tu as réussi à couvrir la majorité de la taille d'un homme, alors là, ce sera metame baoel. Mais si tu vas prendre, par exemple, juste la cervelle, ouais, l'os de la tête du crâne, par exemple, qu'il y a, certes, peut-être le cave, il y a la rova à cave, il y a la quantité requise de 330 millilitres, mais malgré tout, ça ne fait pas la majorité de la taille, alors ce ne sera pas métamé. Donc il faut soit rova à cave plus la majorité, soit un quart du cave, donc 6 œufs, avec en plus de ça la majorité de la taille, ou soit, encore une autre possibilité, c'est qu'il n'y ait pas la majorité de la taille, mais qu'il ait la majorité des membres. Et alors là, on arrive à une donnée importante, que dans le corps humain, il y a, Chachamim ont compté, 248 os, Ramach Evarim, vous avez déjà entendu sûrement cette notion de Ramach Evarim,
Veshasa Gidim, 248 membres. En réalité, c'est 248 os. Et si, pour avoir ce rova à cave, cette quantité de 330 millilitres, tu as eu la majorité des os, c'est-à-dire, tu as eu, donc vous faites 248 divisé par 2, ça fait 124 et plus, donc il faudra 125. Tu as réussi à avoir 125 os. Je pense que ça va très vite si on prend une main, hein, étant donné que dans la main, hein, à chaque phalange, c'est considéré comme un. Donc déjà, rien que pour les phalanges, vous avez déjà 14. Et puis après, je ne sais pas exactement combien d'os ici, mais j'imagine qu'il y en a encore 5. Donc on était à 14, ça va nous faire encore 25. Peut-être qu'il y a des os qui sont... En tout cas, tu as réussi maintenant à faire 125 os qui font la quantité de un kav. Alors là aussi, c'est une autre manière de rendre tamé. On fait tout ça maintenant à l'intérieur des mots et on va réexpliquer aussi en lisant quelques petits mots du Barthénois de temps en temps qui vont nous aider. Bet Shammai Omrim. Selon l'avis de Bet Shammai. Bet Shammai, c'est les élèves de Shammai. Et dans notre Mishnah, il va y avoir quelque chose de particulier, c'est que Shammai, leur maître, il discute sur eux. Il n'est pas d'accord avec eux. D'accord ? Donc pour le moment, on commence avec l'avis de Bet Shammai. Bet Shammai Omrim. Selon Bet Shammai. Rova Atzamot Mina Atzamim. Un quart des Atzamot, c'est-à-dire Rova Akav. Un quart de un kav. Le kav. Selon Escalav Goudo, donc un cave c'est 24 bétim, le quart de un cave ça fait 6 bétim, 6 œufs. Rova atzamot mina atzamim. Si on a une majorité, un quart de un cave, un quart de cave, donc 6 bétim, de plusieurs atzamim, de plusieurs corps, même si ça provient de plusieurs os, un petit bout de plein d'os, de plein de personnes. Ben mishnaim, ben mishlocha, que ça provienne de deux personnes ou même de trois personnes, ça ne change rien. Ce sera suffisant pour être métamé ba'ohel, pour rendre impur celui qui va entrer dans l'ohel. Ce ne sera pas la peine d'aller que toucher pour devenir impur, mais on sera impur même si on entre sous le même toit de ces eaux qui sont là-bas. Ou Bet Hillel Omrim, et selon Bet Hillel, non, il faut Rova Tzamot Mina Gavia, il faut un quart de cave, donc 6 Beitim Dos Mina Gavia, d'un même corps. Et qu'en plus de ça, une deuxième condition, Merov Habinyan, Omerov Haminyan, de la majorité du Binyan, de la construction, c'est-à-dire de la taille de l'homme, que si on prenait ces os ensemble et qu'on les mettait un après l'autre, on atteindrait la majorité de la taille, ça c'est le Rov Binyan, Omerov Haminyan, qu'il y a en cela la majorité de la quantité d'os du corps. Regardez vite fait dans le Barthénois, on voit la petite phrase clé qui va nous aider. Vafilou, dans le Dipo Matril. Désolé. Au Betil El Omrim, il y a là-bas, il y a marqué Rova Tzamot Mina Gavia, Klomar Migouf Echad, Shel Met Echad, Velo Mimiti Marbe. Là-bas, c'est cette phrase qui m'intéresse. Vafilou Shel Met Echad, même si ça vient d'un seul mort. En Metamim, il le rendra impur. Hachiye Berova Akav, jusqu'à que ce même Rova Akav, donc ces 6 œufs, fasse un Rov Binyan, la majorité de la construction, c'est-à-dire des Haïno, c'est-à-dire Rov Godel Agouf, la majorité de la taille du corps. S'il fait 1m80, il faut que tu prennes les deux autres, tu les mets un après l'autre, et que tu dépasses les 90, que ça fasse 80 cm. O Rov Minyan Atzmotav Shaladam, qui est lié dans ce Rova Akav, donc dans ces 6 œufs, qui est lié la majorité des os. Rov Minyan Atzmotav, du compte de ces os, Shaladam, de l'homme. C'est-à-dire Veyu Mea Veesrim Vechamisha Atzmot, qui est lié 125 os. Shem Minyan Atzmotav Shaladam Ramach, car la quantité d'os d'un homme est de 248. Ok, ça c'est l'avis de Bet Hillel. Et Shammai Omer, et Shammai dit, Afilu me etzem echad. C'est pas la peine d'avoir ni le Rov Binyan, ni le Rov Minyan. C'est pas la peine ça suffit que tu aies finalement un Rova à cave, un quart d'un cave, donc ça fait 6 œufs. Mais malgré tout, il est d'accord, Shammai, qu'il faudrait d'un seul corps. Pas comme le premier avis de Bet Shammai, qui dit que même si ça provient de plusieurs corps différents, qu'on pourra associer tous ces os pour en faire un rova à cave, selon Shammai, il faut que ça va être du même corps, mais c'est plus la peine d'avoir que ça fasse ensemble une quantité importante d'os ou une taille importante. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.